La politique migratoire européenne passe devant la justice. La Hongrie et la Slovaquie contestent le système européen de relocalisation des réfugiés. Les deux États membres ont décidé tour à tour en décembre 2015 de déposer plainte devant la Cour européenne de justice pour s'opposer à ce dispositif. Ce mercredi, c'était le temps des plaidoiries pour Budapest et Bratislava. Les dirigeants hongrois et slovaques, soutenus par la Roumanie et la République tchèque, se sont toujours opposés à ce système de relocalisation. Un peu plus de 18 000 demandeurs d'asile ont bénéficié de ce mécanisme, adopté par une majorité de pays membres en septembre 2015. Mais le chiffre est encore loin de l'objectif initial, à savoir relocaliser d'ici le mois de septembre 160 000 personnes arrivées en Grèce et en Italie. La réponse de l'Union européenne à la crise migratoire a profondément divisé les États membres. La décision de la Cour apportera donc une réponse juridique à la décision politique. Toutefois, les juges ne se prononceront pas avant plusieurs mois.